Donc en ce qui concerne la situation des biosimilaires au Maroc, en fait on a très peu pour le moment, comme dans les autres pays, parce que la majorité des biosimilaires vont arriver sur le marché dans les 2 à 3 ans à venir, parce que les brevets qui protègent les produits innovateurs vont tomber dans le domaine public. Et donc c'est le bon moment de se préparer pour sortir une réglementation spécifique à la commercialisation de ces produits au Maroc. D'où l'organisation de ce séminaire par le ministère de la Santé pour échanger avec les autres pays et voir comment ça se passe la réglementation pour sortir cette réglementation au niveau national. Et aussi, il faut assurer un suivi chez les patients qui seront sous ces biosimilaires et sous les biothérapies en général, parce que ce sont des médicaments qui ne ressemblent pas aux médicaments chimiques pour lesquels il faut assurer un suivi de sécurité. Ce sont ce qu'on appelle des médicaments, les thérapies ciblées, c'est-à-dire qui ciblent un point précis pour traiter une maladie, alors que les autres médicaments, c'était des médicaments généralistes en quelque sorte. Donc ils ont des effets beaucoup plus intéressants et beaucoup plus puissants, en particulier dans le traitement de la cancérologie.